Eh, vous voudriez pas m'apprendre à faire ça? J'aimerais vous dire que c'est tout un art. Mais en vrai, j'essaie d'éviter les balles, c'est tout. Eh ben, je vous dois une fière chandelle. Et vous savez ce qu'il voulait? Ça, c'est de l'aide humanitaire destinée à la Simkari. Vous êtes au courant des émeutes là-bas? Eh bien, on parle plutôt d'une guerre civile. En effet. Eh ben, ces brutes m'ont attaqué et m'ont presque tout volé. Où ont-ils emporté les caisses? Je l'ignore. J'ouvre l'œil et je vous préviens si j'ai quelque chose. Enchanté. Vous êtes... David. David Obademi. Man. Spider-Man. Non. Oubliez. Ça sonnait mieux dans ma tête. Salut, MJ. Peter, fonce à Saw. J'ai une piste qu'il faudrait que tu explores. Une de mes sources en prison m'a dit que les hommes d'Hammerhead vont toujours à la même... Pardon, MJ, me revoilà. Tu disais que tu voulais que j'explore une piste. Une de mes sources en prison m'a dit que les hommes d'Hammerhead vont toujours à la même pizzeria. Tu peux peut-être les suivre et découvrir où sont les entrepôts d'Hammerhead. Tu sais, j'aimerais bien qu'un jour on puisse s'appeler et se raconter nos journées. Comme des gens normaux. Ok. Alors, chérie, c'était comment le bureau? Eh ben, avec Sable, on a arrêté des sales types. Oh, alors ça y est, vous travaillez ensemble? En théorie. Vous devez trouver un moyen de vous entendre. Hammerhead est trop puissant pour que vous puissiez l'arrêter séparément. Ma source m'a aussi dit qu'il se sert du projet Olympus pour s'améliorer encore plus. Encore plus? Ça fait déjà un temps que je patte. C'est là que je veux en venir. Si vous ne l'arrêtez pas rapidement, il pourrait devenir invincible. Ah, il y a trop de monde ici. Je pourrais jamais m'approcher dans cette tenue. Je devrais enlever mon costume. Voilà. Comme ça, j'ai l'air d'un New Yorkais normal. Et ce serait pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le Bugle la semaine dernière? Ça expliquerait la foule. C'est la mienne ou la tienne? La mienne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, dis-lui qu'on arrive. Eh, viens, faut qu'on fasse une course pour Tommy. Maintenant, oh, on est presque arrivé là. Ouais, je sais, mais amène-toi. Une course à faire pour Tony? C'est sûrement des hommes d'Hammerhead. Je ferais mieux de les suivre. Mais pas trop près. Et sinon, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Tony? On récupère son ordi. Il a dû le laisser dans sa bagnole. T'es sérieux? Et pourquoi il va pas le chercher lui-même? Parce qu'il a peut-être demandé de faire un truc plus important. Il y a quelqu'un qui nous suit. Reste cool, Pete. Reste cool. Over here. Ah non. Je crois pas. Et il est où le boss d'ailleurs? J'en sais rien. Mais Tony doit le savoir. Ils sont proches tous les deux. Ah, enfoiré de Tony. En vrai, c'est moi qui devrais être le plus proche du boss. Ok, si tu le dis. Eh, ce gamin, on l'a pas déjà vu quelque part? Oh, waouh! Une nouvelle vidéo de chat. Il faut absolument que je vois ça. Les jeunes, ils se ressemblent tous. C'est aussi lui qui a trouvé le plan pour choper cette carte de sable. Ouais, ça marchera jamais, son truc. On voit, il paraît pas si mal, son plan. Et si on la chope, on aura le reste de son matos. Alors, t'es du côté de Tony, toi, maintenant. Je vois le genre. Oh, faut que j'aille parler à Sal. Empêche les gens d'approcher pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, enfoiré de Tony. Je suis pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disent. Si je peux pas aller à côté, je peux peut-être aller au-dessus. Il faut pas qu'on me voie. Je peux pas escalader les murs devant tout le monde. Please.
personne me voit ici. Je peux grimper sur le toit. Si je me place au-dessus d'eux, je pourrai les écouter. Je dois atteindre cette ruelle. Elle est pas bonne, celle-là. Le mec s'y voit déjà. Ah, il est tout juste bon à tirer les pompes. Ouais, et encore. Enfin bref, Tommy m'a dit qu'il voulait son ordi. Il doit y avoir des trucs importants. Bah, c'est à ça que ça sert. On l'a garé en C3. Ok, C3. Si je trouve l'ordinateur de Tony, je saurai peut-être où se cache Hammerhead. Merci. Oh, au fait, je t'ai... C'était très intéressant, mais ça ira comme ça. C'est normal, laissez-le. Pourquoi il nous a frappé? Faites ta platine. Cet ordi. Bien le bonjour, ordinateur de Tony. Voyons si j'arrive à le pirater. Et bingo! On dirait qu'il a installé une appli pour localiser son téléphone. Dis-moi où tu te caches, Tony. Salut chérie, c'est comment on dirait? Beaucoup de boulot. Je suis à fond dans mes recherches sur la team Carrie. Je te retiens pas longtemps alors. Ton info était bonne. Je me dirige vers un des bras droits d'Hammerhead. Il sait probablement où se cache son patron. Génial. Un des types a aussi parlé d'un piège tendu à sable. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette bande de machos de la Magia se sent menacée par une femme forte et pleine d'assurance. Ok. Désolée Pete, faut pas m'en vouloir. C'est juste que je suis sur un planning tendu, là. Ok, je comprends. À plus tard. Je ne sais pas quand elle arrivera. Tenez-vous prêts, c'est tout. Voilà, Tony. Je suis pas sûr que ça suffise. Double la sécurité. Va réaffecter, c'est ton... Il y a quelqu'un ! Reste en Spider-Man. La prochaine fois que tu vois Sable, dis-lui que mon boss aimerait bien lui parler. Je veux bien. Mais elle m'écoute pas vraiment. Elle écoute personne, en fait. Donne-moi l'adresse. Hein? Mais d'où? L'adresse! Bâtiment Colexco. Sur le toit. Non, attendez, c'est sans doute un piège. Sable, vous foncez dans un piège. Peu importe, du moment qu'Hammerhead est là-bas. Vous comprenez pas. J'essaie seulement de vous aider. Je peux me débrouiller toute seule. Oui, je sais. Mais Hammerhead s'est servi de votre projet Olympus pour... Je sais. Alors vous savez qu'il s'est transformé en une sorte de Frankenbot géant? Raison de... Mais... Tout le monde en tient.
souffrance, alors, un piège! Si seulement quelqu'un nous avait prévenu! Oh, je peux me débrouiller! J'ai presque envie de m'asseoir et d'admirer les spectacles, mais ce serait mesquin. Ils l'ont piégé avec sa technologie. Apparemment, tout le système est alimenté par ses générateurs. Ada! Tout va bien, Sable? Ou, Silver? J'ai un doute, là, tout à coup. Comment votre ami vous appelle? Ah, pardon. Vous n'avez pas d'amis, je suppose. Et il paraît que vous en avez. Voilà! Bougez pas, le temps que je m'occupe des autres. Hein, bougez pas! Assez! Taisez-vous! Vous savez, il est scientifiquement prouvé qu'on parlait de ses sentiments aide à réduire le stress et les sautes d'humeur. Vraiment, c'est ça, vous qui voyez. Ok, le dernier. Et voilà! Allez, fichons le camp d'ici! Non, on reste ici. Alors elle viendra. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, fichons le camp d'ici! Non. Si on reste ici, Hammer, elle viendra à nous. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je change de position. Continuez! Faites comme si j'étais pas là!
Tu pensais vraiment que j'étais morte? Comment tu m'as retrouvée? Eh ben, j'ai fait comme elle. Méfie-toi. Cette fille est complètement parano. Et depuis quand tu m'espionnes? Nous espionnes? Assez longtemps pour savoir que tu fais une erreur. Hammerhead est devenu trop puissant. Tu crois vraiment que j'ai le choix? Tiens. Attends. C'est un... Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut savoir sur cet horrible... truc. Désolée pour tout ce que je t'ai fait. Maintenant, on est quitte. Encore une chose. Sa tête. Elle n'est pas si solide que ça. Adieu, Felicia. Voyons ce qu'on a là-dessus.